devez absolument lire « Il est toujours minuit quelque part ». Parce que si vous ne le faites pas, vous allez rencontrer quelqu'un qui lui l'aura lu, vous racontera la fin et vous n'aurez jamais le plaisir de découvrir l'intrigue. Deuxièmement, parce que c'est à la fois un thriller et un anti-thriller, c'est-à-dire que il est un petit peu différent des romans de ce type classique et que c'est un mélange des genres qui pourra forcément vous intéresser. Et troisièmement, ce roman a pour héros un anti-héros qui s'appelle Bill et que je crois vous adorerez détester.